Seigneur, du puissant, du puissant, du puissant, du Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, toi qui nous as aimés, Seigneur. Et nous te bénissons, Papa, pour le temps que nous donnes ce soir. Papa, nous te remercions parce que, toi, Seigneur, tu as vaincu le diable. Et c'est pourquoi, quand les enfants de Dieu se réunissaient, les diables aussi étaient au milieu d'eux. Mais nous croyons, Seigneur, à ta puissance, nous croyons, Seigneur, à ton nom, car ton nom, c'est un étendard qui nous remercie. Toi, Seigneur, qui a élevé, Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est élevé au-dessus de la mêlée, au-dessus de la majesté, Papa. C'est pourquoi, Papa, ce soir, nous continuons à te remercier. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te louons, Papa. Notre cœur va bénir, Seigneur, notre cœur te loue, mon Dieu, mon roi. Toi, Seigneur, qui est notre responsable, nous te bénissons, Papa. Toi, Seigneur, qui contribue, Seigneur, à la vie, à la piété. Et nous te remercions, Papa, ce soir. Sois béni, Seigneur, sois béni, Papa. Toi, sois béni, mon Dieu, mon roi. Toi qui l'écoute. Vous dites toujours amen, amen, et vous guidez, comme vous étiez vraiment des gens qui doivent répondre aux obligations et beaucoup d'autres choses. Ici chez nous, à Christ, tous sommes libres. Amen. Alors, nous allons commencer par le frère Joe. Amen. Bon, en fait, moi je bénis beaucoup le Seigneur. C'est vrai, chaque jour, on est en train de bénir le Seigneur. Amen. Juste pour l'arrivée du frère Petro, le frère Yannick. C'est quelque chose qui nous a. Ma voix. Ma voix, au fort, au fort. C'est quelque chose qui nous a beaucoup bénis parce qu'on les attendait depuis longtemps, bien sûr, mais Dieu a fait qu'ils soient là. Et par rapport à tout le message que nous sommes en train de recevoir chaque jour, moi je dirais, dès l'arrivée du frère et ami jusqu'aujourd'hui, bon, jusqu'hier, aujourd'hui je n'ai rien coupé, je n'ai rien coupé parler, mais vraiment de le dimanche. Jusqu'au mardi, vraiment, on est en train d'être béni. Chaque jour, au moins, il y a du nouveau que j'ai. Et je crois vraiment que je suis en train de croître davantage. Amen. Dans la Alléluia. 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 Pour la guitare, Alibari, qui s'en a sa bouille, n'a mis pied à ta nuit, la semaine versée, la qui les pita, les gassama, nous tenons à mouvoir les peines à vous fonder. Et il m'a fortement béni par une chose. Mais Wakati Alexia m'a parlé, il condamne à Jean chapitre 3, verset 14. Anasema, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Na, kwaile, akasema ya kwamba, élévation de Jésus-Christ était sur la croix. L'élévation, c'est aller à la croix. L'élévation, ce n'est pas trouver des postes, ce n'est pas trouver des lavas, ce n'est pas trouver, je ne sais pas, de l'argent, mais c'est aller à la croix. Alors, quand nous portons nos croix, quand nous nous chargeons de nos croix sur nous, alors c'est ça l'élévation, c'est l'autre Dieu. Amen. Mais les religions d'ici, les religions d'aujourd'hui, même si on dirait l'élévation, c'est avoir de l'argent, c'est être comme, je ne sais pas qui ici à Butembo, je ne sais pas comme qui au Congo ici, mais l'élévation de Dieu, c'est
porté sa croix. Quand tu portes ta croix, là, tu es élevé. C'est pourquoi Jésus, quand il était élevé sur la croix, oui, on avait écrit même là-haut, voici le roi des Juifs. Sur la croix. Vraiment, c'est ça la vraie élévation, c'est le Dieu. Amen. Et ma troisième bénédiction qui est la fin, c'est pour l'amour que le frère Yannick a montré. Il y a d'autres choses que nous ne devons pas laisser passer. Il y a une parole qu'il a parlé juste quand il est arrivé. Parce que nous l'avons demandé de quitter l'Europe jusqu'ici chez nous, un pays qui a des problèmes de guerre. Et il nous a donné une réponse très simple. Il a dit quand nous avons crié, il faut que cette foi puisse se manifester. C'est quand cette foi est accompagnée par des œuvres. Parce que sans les œuvres, notre foi est inutile. Amen. Ok. Oui, matendo ya imani kuonesha amour pour les frères. Les œuvres de la foi, c'est montrer son amour aux frères. Oui, tu as dit que mon imani na tuwezi kuonesha upendo yetu kwa wandugu zetu katika Bwana. Et nous ne devons pas montrer notre amour quand nous le aux frères, quand nous ne le montrons pas cet amour. Oui, les frères ni ya kukuya tu, Dieu alikuwa na pesa za kufikisha hapa. Le frère Yannick n'est pas venu parce qu'il avait l'argent pour l'accompagner jusqu'ici. Mais c'était à cause des œuvres de la foi qu'il avait en lui. Nous prions que le Seigneur puisse nous aider aussi à montrer les œuvres d'amour qui sont en nous. Amen. 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 Ah oui, que le Seigneur soit béni. En fait, c'est la traduction, c'est un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on a fait ce qui était à nous. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour toutes ces bénédictions. Et nous savons qu'elles sont trop nombreuses au point que nous ne pouvons nous imaginer. Et sans pour autant tarder, nous allons appeler le frère Yannick. Pour te dire pour le frère qui en a parlé. Peut-être exactement s'il y a quelqu'un qui peut avoir aussi un jeu par rapport à ce que les frères sont en train de dire. Je suis la lecture, merci hier et aujourd'hui. Amen. J'ai été béni par une parole. Alléluia. À partir du nom de Dieu, quand il m'a parlé par rapport à la cour, il a soulevé quelque chose de capital pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Parce que souvent, tout le monde a besoin d'expérimenter la puissance. Mais que souvent nous ne savons pas comment acquérir. Alors le secret a été que pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est vivre l'évangile de la croix, c'est-à-dire participer à la vie de Jésus, sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Alléluia. Et quand vous commencez à vivre avec ces prismes par rapport à cet évangile, à ce moment, vous commencez à expérimenter Dieu lui-même. Alléluia. La puissance de Dieu commence à se manifester dans votre vie. Alléluia. Et ça, pour moi personnellement, ça a été une grande bénédiction. Alléluia. C'était pour moi une révélation. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur m'aide à vivre conformément à sa parole. Amen. Et tous les jours marcher à suivre ses pas. Alléluia. En sorte que sa puissance puisse vraiment se manifester. Amen. Parce que actuellement, nous sommes en face d'un évangile où on ne fait que dire aux gens que voilà, vous serez bénis, vous allez vous enrichir, vous serez élevés. Alors les gens sont en train de courir derrière ce genre de bénédiction. Au point que
on ne veut pas vraiment participer à la vie de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il suffit que vous puissiez tomber, par exemple, dans une situation qui demande à ce que vous puissiez peiner pour que l'on commence à dire, voilà, c'est une malédiction, ou alors vous avez péché. On oublie que dès que l'on confesse c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit participer à sa vie. Amen. Si lui-même a été haï, pourquoi pas nous? Amen. Et donc, vraiment, j'ai été béni. Amen. C'est tout que j'ai besoin de la puissance. Amen. J'ai aussi besoin de cette puissance. Ah oui, je me souviens exactement de la parole des frères Tim et Jour, ils nous parlaient de la foi. Et que la seule chose qu'il faudrait d'abord avoir la foi à Jésus-Christ, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin de tout. Il sait que nous avons besoin de l'argent, de quoi que ce soit, mais il veut à ce que nous puissions venir à lui. Et toutes ces choses-là nous accompagneront. Et je pense que c'est presque la même chose vraiment. S'il y a, on peut avoir quelqu'un d'autre, quelque chose encore à dire pour la gloire du Seigneur. C'est moi que ça viendra. Ça fait vous libre, hein? Mais les frères sont timides. Bon, en fait, moi, je suis toujours en train de remercier le Seigneur. C'était hier avec Louange Omitable que nous parlions, nous disions que vraiment cet amour que le frère Yannick a montré à nous, cet amour, malgré les circonstances, mais il a accepté. En tout cas, nous n'avons pas encore compris. Et laissez-nous libres vraiment de les répéter chaque fois, parce que c'est vraiment comme une chose d'incroyable. Alors que si nous, même ici, quelqu'un nous appelait à béni, quelqu'un qu'on connaît, de l'Europe en Afrique, au Congo, là où il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, il a accepté cela. Mais quel amour! C'est l'amour de Dieu, mes chers. Amen. C'est l'amour de Dieu. Et c'est ça ma grande bénédiction. Amen. Que j'ai sur mes lèvres ce soir encore. Amen. Quoi en fait, frère Yannick? Moi aussi j'ai une bénédiction. Ah, okay. C'est une question peut-être organisationnelle. Donc, nous avions déjà reçu le texto téléphonique concernant côté la vie africaine. Il ne faut plus réussir notre par rapport à cette place ici. Nous regrettons que l'activité de en fait, le frère Yannick n'a pas encore donné le message. Ah oui. Oui, c'est l'avantage encore. Non. Donc, nous attendons encore la part du Seigneur qui va venir de frère Yannick, bien sûr. Amen. Oui. Moi aussi, j'ai une bénédiction. Ma bénédiction, en fait, c'est par rapport à la protection du frère. Parce qu'hier, notre frère Timothée a connu un accident. Ça devait être mortel, mais Dieu l'a échappé. Alors, si c'est moi, je bénis le Seigneur parce que peut-être qu'on ne serait pas ici à cette heure, on n'aurait pas ce temps. Alors, quand on est là en train de partager, que tout le monde est en bonne santé, bon, malgré qu'il y ait des chocs, mais quand même, il est là, il pourra aussi participer avec nous. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Amen. Ah, le Seigneur est grand. Amen. 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 Tu fais un peu semblant. On va faire avec. Amen. Amen. On va faire avec les mesures de bord. Pour faire du bien. Donc c'est ça l'évangile. Il montrait l'amour qu'il avait pour les siens en allant de lieu en lieu pour faire du bien. Et quand vraiment on est habité par ça, frère, on est prêt à faire des sacrifices énormes. Vous venez ici à Boutembo, j'ai des bien-aimés comme vous. Je comprends que par rapport à ce que le frère a dit, Christ, il a donné sa vie, il a souffert pour qu'on puisse être sauvé. Et qu'on comprend qu'on participe à sa vie. Notre vie ne comptait plus. Et c'est parfois difficile à l'accepter, à le mettre en pratique. Il dit, poser des actes qui montrent que notre vie ne comptait plus, c'est parfois difficile. Parce que lorsqu'on sent une contrainte, ah, on a peur. J'ai dit, moi j'ai quatre enfants.
Ouais, les gens vont te dire, ah, tu as une femme, tu as quatre enfants, hein, ils sont encore petits, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Voilà, vous avez toutes des choses comme ça qui peuvent vous effrayer. Vous voyez, qui peuvent vous dire, ah bon, Seigneur, bon, je ne suis pas encore prêt, je vais attendre, ils vont d'abord grandir les enfants là. Après, je vais commencer, si je veux, je meurs même. Bon, c'est pas comme ça avec Christ. Avec Christ, vraiment, il faut se donner. Il faut s'engager, se donner pour les frères. Et c'est là où l'évangile, on voit toute sa puissance. Et c'est pas facile. Ça passe par des difficultés, comme on a dit, ça passe par des souffrances, ça passe par des moments compliqués. Si l'église primitive, l'église qui est née avec les apôtres, était si puissante, c'est parce qu'il y avait vraiment ce brisement de la croix. Il y avait vraiment cet amour qui croit tout, qui supporte tout, et c'est ça qui supportait, qui portait tout le reste de la connaissance. Aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on a d'abord voulu mettre certaines connaissances autour, et ensuite on est venu rajouter la croix. Et là, c'est ça qui crée le décalage. Or, si on a d'abord compris la croix et tout ce qu'elle engage, et qu'on est à fond, on veut vivre ça, le reste va venir accompagner, on n'aura pas de problème, trop de problèmes. Les problèmes pourront arriver, mais on aura la puissance, on aura la capacité de les absorber. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. Donc ça veut dire quoi? Comme je dis toujours, je disais hier, la communion fraternelle, ce n'est pas parce qu'on se connaît physiquement. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Parce que pour être enfant de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que j'ai connu un frère. Non, ça c'est la camaraderie. Le jour où je suis plus content de lui, je dis ça, je l'efface. Je ne le connais plus, je passe son numéro, il est lui connu. Mais quand on sait qu'on est dans l'esprit, on a l'amour de ses frères. On veut voir nos frères, on veut les connaître. Frère, il y a une joie énorme. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur nous habite. On est fiers de rencontrer nos frères. On est prêt à braver beaucoup de difficultés, beaucoup de situations difficiles pour communier avec nos frères. Alléluia. Amen. C'est ça où le Seigneur nous a manifesté son amour. C'est à partir de ça maintenant qu'on peut déployer les autres choses. Mais si on ne commence pas par là. Et le frère me disait hier, qu'il faut être honnête au milieu de l'assemblée. On voit qu'il n'y a vraiment pas l'amour. Et on voit qu'on vient, malgré les connaissances, les prédicateurs, ils parlent, les pasteurs, ils parlent, les serviteurs de Dieu, ils parlent. Ils parlent, on est là comme des cités, on est là comme des radios. On écoute. Après, on dit amen. On ne se connaît même pas notre voisin. Et puis après, on rentre à la maison. Et c'est une vie religieuse, une vie routinière, où on ne vit pas vraiment la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de ça. On va lire un passage de la Bible. On va lire un passage. Je voulais parler du sacerdoce, mais je crois qu'on va commencer par ça. On va lire un passage de la Bible. On va lire Matthieu. Matthieu 25. Verset 31. Une des choses qui m'a toujours frappé, quand le Seigneur va donner cette figure prophétique, cette parabole, par rapport à ces brebis, et les brebis qui ne sont pas de lui, des boucs, c'est assez frappant les éléments qu'il va utiliser pour montrer qui sont ce qui lui appartient. Si on est à partir du verset 1, il dit: Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alléluia. Amen. Donc, quand il vient, il montre une figure par rapport aux brebis, par rapport aux nations. Comment il va séparer brebis et bouc. Il met chacun à une position bien claire, bien précise. C'est-à-dire qu'il connaît qui est brebis, il connaît qui est bouc. Mais regardez comment il va identifier les brebis et les boucs. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est terrible. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Alléluia. Amen. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ici là, il n'a pas reconnu ses brebis avec le vacarme, avec les doctrines. Il est allé dans l'aspect pratique de l'amour de Dieu. L'aspect pratique de l'amour de Dieu qui nous met en contact avec notre prochain dans ses difficultés, dans les choses dont il a besoin. Et ce qui est étonnant dans ça, il nécessite un seul instant une connaissance, une doctrine. C'est assez frappant. Il dit, non, venez les bénir de mon Père, parce que vous avez cru que je ne sais pas que Jésus, je ne sais pas, il est monté, il allait où. Parce que vous avez cru, je ne sais. Il ne nécessite aucune doctrine. C'est assez frappant de comment lui reconnaît ses brebis. Il dit, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Donc la foi de cette personne qui était justifiée par le Seigneur était tellement forte qu'il ne se lassait pas de se préoccuper de ceux qui avaient faim, de ceux qui avaient soif, de ceux qui étaient sans abri, qui étaient nus. Vous comprenez donc que c'est la mission de l'Église de prendre soin, parce que les brebis c'est l'Église. C'est la mission de l'Église de prendre soin de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, de ceux qui sont nuls. Faut pas attendre les riches. Là-bas, ici, il a parlé de ses brebis. Il n'a pas demandé s'ils sont riches ou sont pauvres. Donc, faut pas attendre ça du monde. Il dit, j'étais en prison. Voyons, on va aller visiter les prisonniers là. Ce n'est pas au hasard. Quand il demandait qu'on visite les prisonniers. Il dit, j'étais en prison. Il n'a pas dit s'il était en prison. Il n'a pas dit l'exemple s'il avait volé ou bien s'il était un malfaiteur ou pas. J'étais prisonnier, point barre. Donc, en tant que prisonnier, même si je suis un voleur, même si je ne suis pas un voleur, vous devez me visiter. Amen. Parce que j'ai aussi droit à l'amour. Amen. J'ai aussi droit à la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais faim. Il ne cherche pas à savoir si j'avais dilapidé tout mon argent. Hein? Le gars, il a beaucoup d'argent, il l'a vendu. Il a faim, mais on ne lui donne rien. Non. Amen. Donc, il ne cherche pas à savoir si j'avais faim. Bon, avant, j'avais beaucoup d'argent, puis j'ai gaspillé. Laissons-le, c'est bien, ça va lui apprendre. Il va apprendre de l'argent, son argent. Frère, ce n'est pas comme ça. Amen. J'avais faim, de la personne a faim. Je ne sais pas savoir comment il a fait pour arriver là. On lui donne à manger. Amen. Alléluia. Amen. J'avais soif. On ne sait pas s'il avait beaucoup de bidons d'eau. Il a versé tout l'eau là. Bon, moi j'ai assez d'eau, je m'en fous. L'hiver, la personne, ah, il n'y a plus d'eau, c'est fini, c'est fini. Mais comme nous on sait qu'il a soif, on lui donne à boire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'en réalité, ce que ces personnes sont capables de faire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils connaissent la personne. On verra ça un peu plus tard. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent la personne. C'est une identité qu'ils ont en eux. C'est une nature. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, comme je dis, pour donner à manger à quelqu'un, si tu veux commencer à calculer, mais est-ce qu'il n'a pas l'argent? Est-ce qu'il n'a pas l'argent sur lui? Mais le gars, c'est fini, il veut m'abanaquer. Vous allez comprendre que vous allez rentrer dans les calculs. Donc, si vous voulez donner à manger, si vous voulez raisonner comme ça, vous aurez toujours des problèmes. Vous allez toujours chercher à faire des calculs. Alors que si c'est une nature, votre état, quand vous quelqu'un qui a faim, ce qui vous anime, si vous venez à manger, vous n'avez plus ce genre de problème. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi quand on va aller en prison, quand on va aller voir les pauvres, les orphelins, on ne cherche pas à savoir comment il a fait, son père était où, sa mère était où, peut-être que ses parents sont là-bas, c'est peut-être un business qu'on organisait pour nous voler. Non frère, attention, non. On part avec tout l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. L'amour là ne se sent point le mal. Amen. Amen. L'amour là ne regarde pas comme ça, l'amour là n'est pas envieux. Mais c'est un amour qui se répand. C'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on donne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Alléluia. Amen. Et ici, il dit, j'étais étranger. Alléluia. Amen. Vous m'avez recueilli. Je suis comme un étranger que vous avez recueilli. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez vous dire, mais le gars là, il sort d'où? Ah, peut-être qu'il vient ici pour faire des massacres aussi. Hein. Il fait semblant d'être prédicateur, mais il peut faire des massacres. Amen. Il dit, j'étais étranger. Vous m'avez recueilli. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les gens qui étaient animés de l'amour, ils sont prêts à recueillir des étrangers. Tous ceci ont des portées spirituelles très profondes. Jésus a dit ceci, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Manger aussi, avoir faim, c'est les gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À qui il faut donner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Avoir soif, c'est les gens qui ont soif peut-être de Dieu. Jésus a dit que si quelqu'un soit qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Alléluia. Amen. C'est de partager aussi la parole de Dieu.
la vie de l'esprit que nous avons reçue, afin que les gens reçoivent la vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Il dit, j'étais étranger. Ça peut être des gens qui étaient étrangers des choses de Dieu. Vous les accueillissez pour les expliquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je monte au deuxième niveau spirituel. Au premier niveau, on doit aller à l'acte physique clair. Ensuite, il faut qu'on revienne à la position spirituelle aussi. Pour savoir que, parce qu'on fait du bien aux gens avec les dons que nous avons, spirituels et physiques. Alléluia. Amen. Christ a d'abord pris la chose physique pour dire que bon voilà, ça va s'appliquer comme ça. Et je remonte un niveau pour nous montrer que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette grâce. Nous devons comprendre ça, que si quelqu'un a soif, c'est à nous de lui donner à boire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que ça vienne du ciel. Si nous avons reçu, le peu que nous avons reçu, nous le partageons. Alléluia. Amen. Donc il dit, j'étais étranger. Il dit, j'étais nu. Alléluia. Amen. Vous m'avez fait Dieu. Alléluia. Amen. Le premier niveau, comment je dis, il y a des gens là qui n'ont pas de quoi ça. C'est pourquoi j'ai dit à la radio, au monsieur qui a appelé, s'il n'a pas d'assemblée, il n'a pas moyen, qu'il nous contacte. Parce que si Dieu permet qu'on parvienne à écouter quelqu'un comme ça qui dit qu'il n'a pas d'habit, qu'il ne parvient pas à manger, c'est aussi pour nous mettre devant nos responsabilités. Alléluia. Amen. On dit, ah, s'il n'a pas, papa, rentre encore avec nous. Le peuple que Dieu nous a donné là, si même je vais partir, s'il porte mes mêmes habits, je prends la moitié, je lui donne, et puis la moitié des habits que je viens de rentrer en Suisse. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est de façon pratique qu'on manifeste l'amour. Donc je lui ai déjà donné le revêtement spirituel. En écoutant la parole de Dieu, il a compris qu'il doit vivre la croix. C'est ça que je l'ai revêtu. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter là. Ce moment, autrement, ça se manque les paroles. Il me dit, non papa, j'ai compris les choses spirituelles. Ça veut dire qu'il a été vêtu. Il était nu avant, il n'avait pas la vie spirituelle. Je l'ai vêtu. Maintenant, il me dit, papa, tu as donné le vêtement spirituel, mais ta physique là, ça ne va pas. Je ne vais pas marcher nu dans les rues. Je vais aussi séparer mes habits. Amen. Je vais aussi lui donner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les responsables, ça me choque toujours. Les responsables d'assemblée, mais ça, ils ont qu'on apporte des habits. Moi, je ne comprends pas. Au lieu que c'est lui qui doit prendre les habits pour donner au bébé. Ah. Mais c'est le bébé, lui, n'a même pas les habits. Mais il prend encore ça, il donne encore au responsable. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand c'est au fils d'amasser pour le père? C'est au père d'amasser pour les fils. Amen. Nos parents nous ont vêtus, c'est nous qui avons vêtu les parents. Non. Donc, tu es un père dans la foi, mais c'est encore toi qu'on ne peut pas te vêtir. Ça, c'est quel scandale ça? Ah, c'est l'évangile à l'envers. Donc il dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade. Voilà un point qui lève, qui est très important. Jésus-Christ, vous savez, beaucoup de chrétiens cherchent beaucoup de choses pour rien. Beaucoup de fantaisies pour rien, frère. Il dit, j'étais malade. Ça peut arriver que les gens sont vraiment malades. Bien aimé, la guérison ne va pas parce que tu vas seulement prier. Rien que le simple fait de les visiter, rien que le simple fait de ta présence peut guérir cette personne, mon Dieu. Amen. Parce qu'il se sent abandonné. Ah. Il se sent rejeté. Il a une maladie. Jésus n'a pas défini la maladie ici. Vous savez, quand certaines personnes ont une maladie, oh, il a sida, oh, il ne faut pas s'appeler, il va nous contaminer. Vous voyez comment, quand les gens ont une maladie, les gens meurent. Vous savez, vous pouvez demander à des médecins. Médicalement, beaucoup de gens meurent d'une maladie qui est difficile à cause de la façon dont on l'a abandonné. Ça le ronge encore et puis la maladie l'enfonce encore. Et nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans ce jeu. Ah, il a Ebola. Non, 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 il ne faut pas la musique, frère. On peut attraper Ebola. Non, 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 frère, je lui dis, j'étais malade. Vous m'avez visité. Il n'a pas dit, vous m'avez guéri, hein. Il n'a pas demandé guérison ici. Il a demandé visitation. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il attend, c'est qu'on réjouisse le cœur du malade qui souffre comme ça. Amen. Lorsque sa famille l'a abandonné, il ne veut plus le voir. Nous, on vient, on dit, ah, nous sommes les enfants de Dieu. On est venu te voir, vraiment, on a vu comment vous êtes malade. Ça remet la joie dans son cœur. On peut demander une tonnée qui marche là. Voilà la question qu'on peut lui apporter. Amen. Il était dans la situation, vous savez, beaucoup de maladies même sont psychologiques. Il est quelqu'un là, il est coincé à cause de ce qu'il vit autour de lui. Ça le met mal à l'aise. Vous savez, en 2008, j'étais à l'hôpital. Parce que je vais souvent pour prier pour les gens. J'ai prié pour les personnes. J'allais, j'ai demandé. Moi, me vois-tu comme un petit cinglé. Chez les blancs, c'est pas comme ça. C'est rare de voir quelqu'un qui dit je vais prier pour vous, madame. Vous pouvez. J'ai prié, c'était accepté, c'était accepté. Et j'ai pris une dame. Avant, c'était une dame, apparemment, qui était religieuse. Mais elle fumait beaucoup. J'ai commencé à poser avec non, moi, je suis un chrétien. Moi, je suis scellé. Moi, je vais venir prier. Je crois que je suis guéri, tout ça. On a commencé à partager mes sessions. Elle était étonnée. Je lui ai dit l'amour et tout, 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 tout. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Quand je commence à prier, elle a fondu là. Elle a pleuré, la maman là. Une vieille dame. Elle a arrêté, sa cigarette, elle a arrêté, elle a dit non. Elle fume plus. Parce que non, quand vous fumez, vous détruisez votre poumon. Ça n'aide pas à votre cancer, tout, tout.
elle a retrouvé la joie. Elle était, avant ça, elle était terne, elle était vraiment un visage triste, elle était mal. Elle a commencé à me déballer son cœur. Bien aimé, c'était une femme qui souffrait. Elle avait pas non seulement le cancer, elle voyait tous ceux qu'elle avait aidés, tous ses petits-fils, tous ses enfants qu'elle avait abandonnés. Donc elle souffrait d'un double cancer. Non seulement le cancer qui la rongeait, mais le fait qu'elle voyait les enfants, qu'elle a nourri, qu'elle a élevé, qu'elle a fait grandir, qu'elle avait abandonné. Qu'elle était la seule comme ça, la tournée. Et puis je lui ai donné la joie, et puis j'ai vu comment une joie. Elle dit, ah, mais vous m'avez donné une joie, je ressens une joie, une paix incroyable. Et que même si je dois mourir là, vraiment, je vais mourir dans une joie, une paix. Vraiment, j'étais soi-disant religieuse, je veux vraiment connaître Jésus-Christ là. Vraiment, j'ai une joie. Elle avait une joie, c'était incroyable. Alléluia. Amen. C'est parce que le Seigneur va la guérir, comment le Seigneur veut qu'elle reçoive Jésus-Christ, qu'elle meure comme ça. Parce que ce n'était pas la guérison physique qui était importante, mais que son cœur reconnaisse la vie du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir les malades comme ça, frère. Beaucoup de gens, en Europe, beaucoup de gens marchent, ils parlent seuls. C'est des malades qui marchent comme ça. La vie de l'Europe, elle a tourné la tête. Tu vois, quelqu'un marche, il parle ça. Tu ne peux pas dire, mon frère, c'est quoi ton problème? Il parle seul comme ça là. Il a besoin d'une guérison. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'une parole. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit ceci. Regardez maintenant au verset 37. Il dit, alors les justes lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger? Ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là. Première chose, les justes demandent au Seigneur, mais Seigneur, on les appelle déjà les justes. Là-bas, on est des gars qui sont justes. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui les a justifiés, qui les a déclarés justes. Il dit, mais quand est-ce que nous on t'a vu? Ça veut dire que c'est des gens qui ne calculaient pas. Amen. Donc c'est des gens qui ne pouvaient pas dire, ça c'est le Seigneur. Non. Ils ne pouvaient pas savoir même qui. Donc, comme je t'ai dit que c'était une nature, un état. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Ça peut être le Seigneur qui est en face de toi, tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Tout ce que tu sais, c'est que tout ce que tu as reçu, Seigneur, tu dois donner. Alléluia. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc tu donnes. Quelqu'un avait faim, tu donnes à manger. Quelqu'un avait soif, tu donnes à boire. Et puis toi, le Seigneur dit, ah, moi j'avais faim. Eh, Seigneur, c'était quand ça? Il n'y avait pas de calcul. Parce qu'il y a des calculs, tu commences à réfléchir. Est-ce que j'ai accompli l'œuvre de Dieu là? Est-ce que je ne me suis pas loupé? Est-ce que tu commences à faire des calculs? Alors là, il n'y a pas de calcul possible. C'est leur nature. C'est leur condition. Des gens qui aiment partager ce qu'ils ont. Des gens qui veulent voir les autres être nourris. Des gens qui veulent voir les autres être nourris tant physiquement que spirituellement. Des gens qui se soucient des autres. Des gens qui partagent ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Ça ne dépendait pas s'ils connaissaient la personne qu'ils connaissent. Si je demande quand est-ce que nous on t'a vu, ça veut dire qu'il fallait connaître la personne. Si c'est un chrétien qui venait dire, ah frère, j'ai faim. Ah non, comme tu es enfant de Dieu, il faut qu'on partage, partageons. L'autre vient, ah, j'ai faim. Toi tu es chrétien? Non, je ne pas que dire, il n'y a pas assez mon frère. Voilà, Dieu va te bénir. Regarde la nature chez toi. Le Seigneur dit que si nous aimons comme les pharisiens, on invite seulement les gens qui nous invitent. On fait quoi de mieux? On fait quoi de mieux? Que les gens de mauvaise vie font pareil. C'est pourquoi dans les églises, je ne comprends pas. Il y a l'agapé, on n'invite pas les païens, on n'invite pas ou bien les gens de dehors. On s'invite entre nous seulement, on mange entre nous. Tu dis, mais ça, c'est quelle histoire ça? Donc, on mange qu'entre nous. C'est pas bon. Quand il y a l'agapé, quand il y a de quoi manger, on cherche ceux qui ont faim. Amen. Alléluia. Amen. Pour les faire manger à l'église. Amen. Mais nous, on mange entre nous. Alors qu'on est à même rassasié. Le reste, on jette nous encore. Ça, c'est très grave. Il dit, quand est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce qu'on t'a vu? C'est-à-dire que ils essayaient de, si on essaie de définir physiquement, on va se louper. Quand on comprend qu'on doit donner à manger ce que quelqu'un a fait, on doit penser aux pauvres, on doit penser aux gens qui sont dans les difficultés. Frère, on n'a plus la même mentalité. On n'a plus la même mentalité. Je Seigneur dit, si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, vous faites quoi de supérieur que les païens? Vous êtes les païens avec seulement un costume chrétien. C'est tout. Donc les gens ont fait. C'est à nous. Donc pense quand tu penses. Je l'ai dit, quand tu fais ta fête, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre. Mais comment ça veut dire qu'on est chrétien? Ah frère, on va pas prendre des petits agapés. On invite seulement les gens qui peuvent nous rendre. Au lieu de penser, ah il y a des gens qui ne parviennent pas à manger. Invitons les gens qui ne parviennent pas à manger là. Invitons les enfants qui ont de la peine à manger. Invitons les frères qui ont des difficultés pour manger. Invitons tous ceux qui ont de la peine. Pourquoi ça ne nous passe pas dans la tête? Parce que facilement un esprit sectaire, un esprit religieux veut toujours se mettre en place pour qu'on se réjouisse seulement entre nous. Oh, le Seigneur dit, ce n'est pas comme ça qu'il reconnaît ses péchés. Il dit, quand est-ce que nous avons vu que tu as eu faim, nous t'avons donné à manger. Alléluia. Amen. Donc ça doit être une disposition du cœur.
pensons toujours aux nécessités qu'on va donner à manger. Quand vous donnez à manger à nos enfants, on voit qu'ils ont faim. Ils ont besoin de manger. Alors, quand nous pensons à donner à manger, en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons plus large. Si nos enfants ont faim aussi, ils peuvent donner à manger. Il y a aussi des autres enfants qui ont faim dehors. Alléluia. Il y a aussi des orphelins qui ont faim. Alléluia. On peut aussi contribuer avec la mesure que Dieu nous a donnée. Alléluia. Donc, ils ne savent pas. Ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Il dit, verset 38, et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dit, en vérité, je vous dis, qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Le Seigneur reconnaît que quand vous avez fait ça à l'un de ses petits, plus petits de ses frères, c'est à lui que vous avez fait. Alléluia. Il ne faut pas attendre que le Seigneur s'apparaisse. Ah, tu viens demander, le Seigneur m'a envoyé vers toi, frère, que tu me donnes pas à manger. Ah, si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, il va te donner un peu. Lorsqu'il vient, il dit, frère, j'ai faim. Ah, bon, comme il n'a pas dit que le Seigneur l'a envoyé, toi, tu lui dis, non, moi, je n'ai rien fait. Vraiment, tu viens un moment difficile. Parce que là, le premier a dit que le Seigneur m'a envoyé, j'ai eu une révélation que. Dieu voulait que je vienne chez toi, tu as quelque chose à manger. Là tu es coincé, puisqu'on a mis Dieu devant. Tu ne sais plus comment réguler. Tu ne sais plus comment faire. Tu obéis. Tu obéis sur la contrainte. Mais tu te comportes effectivement comme un bouc. Alors que la brebis là, il ne fait pas de distinction. Donc il n'a pas pu reconnaître qu'il était le frère du Seigneur. Donc il faisait sans distinction. Alléluia. Amen. C'est exactement comme ça que nous devons faire. Mais pour ça, il faut avoir connu ce cœur. C'est ce cœur qui est rabaissé à pouvoir toujours manifester l'amour. Alléluia. Amen. Ce cœur, on comprend qu'on doit participer avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, faire du bien, il y a une contrainte qu'on fait du bien quand même. Cette contrainte, c'est que parfois on a peur de ne pas recevoir en retour le même bien qu'on fait. Vous savez, c'est ça qui nous bloque souvent. Mais quand on comprend que ce n'est pas pour nous qu'on fait, c'est pour le Seigneur, bien dans le Seigneur, on ne se limite pas à faire du bien. Alléluia. Amen. On ne s'arrête pas à faire du bien. Alléluia. Amen. On fait du bien en tout temps. Alléluia. Amen. Dieu dit que son soleil se lève pour les méchants comme pour les bons. Donc si Dieu devait choisir, c'est entre nous les chrétiens, nous marchons, il n'y a que le soleil qui vient sur nous. Les autres païens n'ont pas le soleil. Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez que malgré que les gens rejettent Dieu, rejettent le Seigneur, son soleil c'est pour tout le monde. Son soleil ne choisit pas les têtes. Voilà pourquoi notre amour, notre don de soi, ne dépend pas des têtes des gens. La tête du frère, s'il ne me plaît pas, il est même un bandit. S'il a faim comme ça, c'est Dieu même qui a voulu qu'il ait faim pour qu'il laisse crève même. C'est pas comme ça. Moi j'entends toucher les chrétiens. Moi il voit toucher les chrétiens. Donc frère, ce n'est pas comme ça. Donc quand on a compris qu'il est plus petit, on va le voir alors ou comment. Donc il ne faut pas qu'on attend. Oh frère, Dieu m'a donné une révélation, frère. Ton argent, il faut qu'on partage ensemble. Et tu vas dire, est-ce que Seigneur a donné la révélation au frère? Il a donné le montant. Et dans ma poche, il s'est donné parce que j'aurais des problèmes. Le frère donne ses contraintes parce qu'il a peur que le Seigneur va le juger. Amen. Ce n'est pas comme ça. Parfois, c'est même la manipulation. Mais s'il comprend que, ah, ce que j'aime, c'est aussi pour mon frère. Quand il voit son frère en difficulté, il est comme ça, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour s'entraider? Ce n'est pas facile parce que parmi nous, parfois, l'ingratitude peut venir. Parfois, on peut faire du bien et on voit des gens ingrats. La Bible dit d'être reconnaissant. Mais comme j'ai dit, ça là, c'était la nature de ces bébés. Alléluia. Donc on ne cherche pas à savoir, c'était qui, ce n'est pas qui, est-ce qu'il m'a rendu, est-ce qu'il m'a pas rendu. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'est pas cessé de faire du bien. Nous avons une parole. Nous avons une parole dans Romains. Romains 12. On va lire Romains 12 à partir du verset 12. Il dit, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la raison ou bien dans les prières, communiquant aux nécessités des saints ou bien prenant soin aux nécessités des saints, exerçant l'hospitalité. Vous voyez, on a parlé qu'ils ont accueilli les gens, il y avait des étrangers, ils ont recueilli. Ça c'est l'hospitalité. Ok? Prendre part à la nécessité des saints. On voit ça dans le sens le plus large. C'est-à-dire, prendre par les saints, on voit les gens qui ont faim, les gens qui ont soif, les gens qui ne parviennent pas assez, qui ont un manque d'habits, les gens qui sont malades. On voit toutes ces personnes dans toutes ces conditions. Alléluia. Amen. Et qu'on doit prendre part à la nécessité des saints. Frère, on s'adresse à toute l'église, on ne s'adresse pas à une partie. C'est le rôle des anciens
de prendre soin, et comme c'est le rôle aussi des brebis, de prendre soin de l'assemblée. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne doit pas être incombé d'une seule personne. Donc s'il y a quelqu'un ici qui voit qu'il a une difficulté, il doit soumettre la difficulté à tous les frères. Et s'il y a un frère qui voit qu'il a une difficulté, qui peut l'aider, qui l'aide sans condition. Alléluia. Amen. Sans regarder si le frère... Ah, vous savez, je vais raconter une anecdote. Il y a une fois en Suisse, on va revenir lire ça. Il y a un frère qui m'a invité là. On avait commencé le Seigneur à un endroit. Et on avait décidé que bon, on va avoir une petite caisse. Cette petite caisse sera là pour aider si les gens ont des difficultés. Si les gens ont des difficultés, il faut qu'on leur donne pour avoir des cas de souffrance, cas de maladie, cas de problèmes. On essaie de cotiser. En ce moment, j'étais encore aux études. J'étudie encore à l'école d'ingénieur, donc je n'ai pas encore fini. Je me battais avec mes petits boulots. Il y avait des gens dans l'assemblée qui ne donnaient rien. Frère, on savait qu'ils travaillaient, ils avaient des gros salaires, mais ils ne donnaient rien. Et puis, certains frères, ça commençait à graisser. Hey! Alors, comme il y avait d'autres qui demandaient, qui avaient des difficultés, qui demandaient, puis bon, il y avait des difficultés, bon, on a demandé, bon, 100 francs, quelqu'un a peut-être deux, on donne 100 francs, quelqu'un ceci. Vous avez entendu? Ah, il y a un frère donc qui a eu un problème. Lui, il ne donnait absolument rien. Alors, les autres frères avec qui on était, on dit, non, jamais on ne donne rien à ce gars. On ne donne rien à ce frère. Lui, il n'a jamais rien contribué. Il dit, frère, c'est vrai, il dit non, frère. Si on fait ça, on tombe dans le jeu de l'ennemi. Et on ne sait plus le Seigneur. Quand on a fait la caisse, on n'a pas fait ça en disant c'était pour les gens qui donnaient ou même pour les gens qui ne donnaient pas. Si au départ on avait fait comme ça, au moins on serait cohérent. Mais parce qu'on n'a pas fait au départ, ça veut dire que notre motivation était pure. Si au départ on disait non, c'était pour ceci, c'était pour les gens qui donnent. Et les gens qui donnent ne font rien, notre motivation serait impure. Je crois que notre motivation était pure dès le départ. Quand on a fait cette caisse pour aider, allons aidons le frère. Ah, c'était pas facile, hein? Oh, c'était pas facile. Mais on a aidé le frère. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. S'il ne donne pas, frère, c'est subir sa tête qu'il a. C'est sa, qu'est-ce qu'il a, c'est sa tête qu'il accumule toutes ces choses-là. C'est sa conscience qui va le juger. Ce n'est pas notre devoir. Donc nous sommes comme ces brebis-là qui devons manifester tout le temps l'amour. Donc même si le frère est ingrat, même si le frère est. Ça, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Nous, on fait simplement du bien. Parce qu'on sait que c'est ce que le Seigneur dépose dans nos. Et il va s'arranger toujours de faire abonder à nous. Alléluia. Donc, on continue la lecture. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez-les et ne les maudissez point. Soyez en joie avec ceux qui sont en joie et en pleurs avec ceux qui sont en pleurs. Ayant un même sentiment les uns avec les autres, n'affectant point les choses hautes, mais vous accommodant aux choses basses. Ne soyez point sages à vos propres jugements ou bien à vos propres yeux. Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. S'il peut se faire, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il écrit à moi, à partir de la vengeance, je le rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu retireras les charbons de feu qui sont sur sa tête. Ne sois point surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que ce que Paul dit ici, inspiré par le Saint-Esprit, c'est exactement ce que le Seigneur définit sur ces brebis-là. Vois sur ces brebis qui étaient ces brebis à lui, qui marchaient avec cet amour du Seigneur. Qui a dit non, quand pour faire ça, il faut être honnête, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Faire du bien et recevoir du mal, c'est très difficile à supporter. C'est où on se rappelle qu'on est dans la croix. Alléluia. Amen. Si on comprend, si on dit non, on est plus dans la croix, on dit non, c'est bon, j'arrête là. Mais si on comprend qu'on est la croix, on est une même plante avec Christ. Sa vie là, on est une même chose. Donc de toute façon, on va simplement vivre ça. On va tout le temps, parce que les déceptions, frère, dans l'œuvre de Dieu, il y a trop de déceptions. Les gens qui vous avaient tout donné, frère, à un moment, ils vont être ingrats. Mais vous, si vous arrêtez sur cette ingratitude, vous n'avez jamais pu faire l'œuvre de Dieu. Les gens qui vous avaient fait du bien, vous le savez dans votre marche, il y a beaucoup de gens qui vous ont déçus. Il y a beaucoup de gens que vous avez même pris comme ça, recueillis comme vos enfants. Vous avez donné à manger, vous avez vêtu, vous avez inscrit à l'école. Demain, ils vous reconnaissent. Mais vous n'allez pas cesser de faire parce que c'est votre travail, c'est votre nature de faire du bien. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, pour continuer à faire ça, il faut le brisement de la croix. Sinon, la chair va commencer à réclamer, non, tu as assez fait du bien aux gens comme ça, c'est se faire du bien. Mais quand tu as compris que ah, ce bien ne dépend pas des personnes que tu vois en face, ce bien ne dépend pas si on t'a été généreux avec toi ou pas. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puisque tu dois toujours être dans celui qui donne
alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouves la force dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vois comme, c'est comme on disait tout à l'heure, la puissance de Dieu. Là où tu as mis ta main, disait non, ici je ne vais jamais contribuer. C'est la cellule-là, même si Dieu me demandait quel problème, je ne vais rien faire. Quand il vient, alors qu'il t'a abusé, tu vois comment le Seigneur incline ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu a encore prêt à aider. Et là, ça c'est la folie. Il faut être honnête, c'est la folie. Quand on abuse de quelqu'un, la première chose qu'il veut faire, c'est de ne plus jamais pouvoir tenter. Souvent, comme on dit, non, même quand le serpent t'a maudit, même du verre du terre, tu as peur. Mais là, quand tu es en Christ, tu n'as peur de rien. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé, qui investit tous ses biens en toi, qui investit toutes les choses en toi. Il sait comment les renouveler. Alléluia. Amen. Il sait comment te travailler. Alléluia. Amen. Parce que parfois, nous disons, ah, Seigneur, vraiment, nous voulons, tu es amour, nous voulons aimer comme toi, tu dois aimer. Faut s'imaginer, Dieu a créé toute sa création. Et il y a quand même une partie de la création qui dit que non, Dieu là, c'est les conneries, il n'existe pas. Pourquoi imaginer ce que ça peut faire? Donc pendant longtemps, il y a des gens qui refusent, qui rejettent Dieu. Ils ne veulent rien entendre lui. Bon, vous-même, on a fait juste un petit bien. Et puis on nous a craché dessus. Nous, on a dit qu'on ne veut plus rien faire. C'est que Dieu a arrêté le soleil, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Comme vous, ne voulez pas vous repentir. Je vais mettre un petit soleil sur chaque tête des chrétiens là. Et chacun aura son soleil et sa pluie. Mais non, même les paysans qui se moquent de Dieu, il y a la pluie qui tombe, ils mangent. Ils se foutent de Dieu. Mais il n'a pas cessé. Et la Bible nous dit, sont parfaits comme tes pères est parfait. Voilà les soubassements pour reconnaître un enfant de Dieu. Comment se fait-il que nous les chrétiens, on soit loupés la vie? Comment se fait-il que quelqu'un peut, dans l'assemblée, les gens peuvent enrichir des conducteurs alors qu'il y a des chrétiens qui souffrent? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Si on a compris ça, je vous assure, on ne peut pas s'amuser à tomber dans ce piège. Parce qu'on sait que tout ce que le Seigneur va pouvoir dans l'assemblée, ce sera effectivement pour vivre ça. Alléluia. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Et nos œuvres nous accompagnent. Et si ce ne sont pas les œuvres de la foi, malheur à nous. Parce que les œuvres qui nous accompagnent, c'est les œuvres de la foi, pour ceux qui sont dans la foi. Donc il est important que nous comprenions que quand nous vivons la croix, quand nous vivons le brisement, nous devons être comme ces brebis-là. Donc c'est simples exemples que Jésus-Christ a montré. On doit pouvoir nous-mêmes voir dans notre propre vie. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment on donne à manger à ceux qui ont besoin de les manger? Tant simple, c'est ça, aller dans beaucoup de gymnastique de calcul. Est-ce qu'on pense à donner des habits à ceux qui n'ont pas d'habits? Parfois on passe là, on voit des enfants, ils ont des habits déchirés. Ils ont des habits complètement déchirés, mais on reste, on les regarde, on fait comme si n'avait rien. Parfois, on voit des personnes qui sont malades, mais on passe, on regarde avec un regard méprisant. Est-ce que vraiment on se donne pleinement, totalement, pour que les gens soient touchés? Frère, ça nous a dû nous interpeller pour voir les fruits que nous portons. Est-ce qu'on est vraiment hospitalier? Est-ce qu'on pense aux prisonniers vraiment? Les gens qui sont en prison, certains, leur famille ne les ont jamais visités. Certains sont en prison, ils n'ont même pas de quoi manger. Mais nous, on traverse tout le temps la prison. Ah, voilà la prison, c'est où il y a les bandits, c'est bien fait pour vous. On vous apprend à voler. Comment les chrétiens nous comportons? Mais le Seigneur lui dit le contraire ici. Il dit, j'étais en prison. Il est venu me chercher. Vous êtes venu me chercher. J'étais en prison. Il est venu me visiter. Il est venu me voir. Il est venu m'apporter des paroles de consolation. Qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Que même si tu étais un bandit, Jésus-Christ est capable de te sauver. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il était attrapé comme un bandit alors qu'il n'avait rien fait. Amen. Il était condamné comme un bandit alors qu'il n'avait rien fait. Et regardez le mystère de la croix. Barabbas a pris sa place. Barabbas a été libéré. Il a été pris en prison. C'est exactement ce que nous avons vécu. Nous aussi, nous étions des prisonniers. Prisonniers dans toutes sortes de péchés. Prisonniers dans toutes sortes de mentalités. Prisonniers dans l'avarice. Prisonniers dans la cupidité. Prisonniers dans toutes sortes de choses. Dans la haine. Dans la médisance. Mais il nous a délivrés. Alléluia. Amen. Pourquoi n'allons-nous pas aussi apporter la joie à ceux qui sont prisonniers pour qu'ils soient délivrés? Alléluia. Amen. Un bandit. Les bandits qui sont en prison, ils attendent la sentence. Ils sortent, ils deviennent encore. Mais avec une parole d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, qui a visité ce bandit, qui lui, parce qu'il y a des bandits qui sont en prison, qui gardent rancune. On leur fait quelque chose d'ailleurs, ils gardent rancune. Ah, quand je vais sortir dans 300, le gars là, il va mourir. Mais toi, avec ta simple visite, lui donnant une parole du Seigneur, bien aimé, tu peux changer son cœur. Alléluia. Amen. Le bandit, au lieu de sortir pour faire vengeance, il sort pour se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va prendre un passage, on va revenir sur Matthieu 25. On va revenir sur Matthieu 25. Il dit, verset 31, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche,
maudit, retirez-vous de moi. Allez au feu éternel qui est préparé au diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez point donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez point donné à boire. Amen. Jésus-Christ déclare ceux qui sont à sa bouche, il les déclare maudits. Frère, ça fait quand même peur, hein. Il déclare ces personnes maudites. Et il déclare que ce que j'ai eu là, par rapport aux autres, vous n'avez pas été capable de le faire. C'est intriguant. Pourquoi c'est intriguant? Continue à lire. Il dit, j'étais étranger, verset 43. Et vous n'avez point recueilli. J'ai été nu et vous m'avez point vêtu. J'ai été malade en prison, vous m'avez point visité. Alors ceux-là lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et que nous t'avons point secouru? Ils vont demander, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Donc ça fait des gens qui s'attendent toujours à ce qu'on ait dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille aider les orphelins. Hein? Il a peut-être dit que tu vas aider les orphelins. Dieu m'a dit qu'il faut que j'aide ceux qui sont pauvres. Non, frère. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Quand tu sais que toi-même tu étais pauvre en Christ, tu étais orphelin, tu n'avais pas de père. Ils ont besoin de l'amour d'un père. Tu n'as plus besoin d'avoir une vision spéciale. Parce que quand Dieu m'a dit, tu commences à choisir les gens avec qui tu vas être. Tu commences à choisir les gens avec qui tu vas faire du bien. Ça, c'est le bouc. Ils choisissent par leur intérêt à qui ils vont faire du bien. Maintenant, quand le maître vient, il dit, mais quand est-ce que... Ça veut dire qu'il était capable de le faire. Mais ils attendaient pour qu'on le dise. Tu es où, Seigneur? Montre-toi. S'il vient à mon nom, ok, moi s'il vient à ton nom, ok, je vais lui faire quelque chose. Je dis non, non, non. Tout ce monde va venir, il va dire, c'est Jésus qui m'a envoyé. Non. Donc il n'était pas capable de discerner les voies du Seigneur. Et ça, c'est très grave. Nous devons comprendre que ces standards que le Seigneur a mis là, il n'y a pas besoin d'entendre une voix pour me dire, Dieu veut que j'aille aider les pauvres. Non, en aucun cas. J'ai besoin d'une révélation particulière pour ça. C'est faux. Nous-mêmes, on voit la souffrance, non? On a besoin d'une révélation pour ça. En plus, on a le Saint-Esprit pour nous éclairer encore davantage. Nous, on voit la difficulté des gens. On a besoin d'une révélation pour ça. Dans les boucles, c'est les gens qui ont les révélations. Oh Seigneur, tu étais où? Il faut qu'on te voie avant de te donner. Non. Pourquoi? Quand on est disposé à manifester l'amour du Seigneur, c'est indépendamment qu'on ait reçu soi-disant une vision ou un songe. Non, frère. Parce que on ressent les souffrances des autres. Alléluia. Déjà, ceux qui sont dans le corps de Christ, on dit que on a lu la langue de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est rejoint avec ceux qui se réjouissent. Comment est-ce que tu vois que les gens ils pleurent, ils souffrent? Ça ne te dit rien. Donc tu as besoin d'une révélation. Ah, Dieu m'a dit d'aller soutenir la sœur-là qui pleure. Ah bon, frère? Mais ça, c'est grave. Hein? C'est-à-dire que si Dieu ne te parle pas, tu restes à l'opposé. Tu ne soutiens pas ta sœur. Alors qu'il t'a tout donné là. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est réjoui avec ceux qui se réjouissent. Ton frère se réjouit parce que Dieu a fait du bien. Dieu a fait des choses dans sa vie. Ah, Dieu m'a donné une révélation d'aller me réjouir avec le frère là. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est ce que les apôtres disent à Paul quand il s'agit de s'occuper des pauvres. La seule recommandation qu'ils ont donnée à Paul, ils ont Galates. La seule recommandation. Ils ont Galates 2. Galates 2. Il dit, mais au contraire, quand il vit que la prédication de l'évangile du prépuce m'était commise, donc des gentils, comme celle de la circoncision l'était à Pierre, car celui qui a opéré avec efficace par Pierre en la charge d'apôtre envers la circoncision, a aussi opéré avec efficace par moi envers les gentils. Jacques dit, Céphas et Jean, qui sont estimés être les colons ayant reconnu la grâce que j'avais reçu, me donner à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les gentils et qu'ils allassent eux vers ceux de la circoncision. Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis étudié de faire. Alléluia. Amen. Nous recommandons la seule recommandation que les apôtres ont donnée. Il dit, quand Paul et Barnabas ont exposé ce qu'ils prêchaient, parce que Paul précise que c'est après 14 ans, il dit, ah,
par révélation qui montre pour que j'espère que je ne coupe pas, mais il faut que les gens se voient ce que je prêche, ce que je vis avec les frères. Il parle, il expose la doctrine de l'évangile qu'il prêche et il montre tous les prodiges que Dieu fait. Ah, frère, vraiment, gloire à Dieu. Il les donne la main de la situation pour les dire non. Allez vraiment vers les gens qui ne sont pas si concis dans les non-juifs. Allez vers eux pour annoncer la parole. Mais on a une seule recommandation. Une seule recommandation. C'est souvenir des pauvres. C'est souvenir des pauvres. Vous comprenez pourquoi c'est pour nous chrétiens. Ceux qui sont pauvres, premier niveau des pauvres, les pauvres physiques. Deuxième niveau, les pauvres spirituels, les gens qui ont vraiment sont pauvres dans les choses de l'esprit, qu'il faut apporter la parole de Dieu. Commençons au premier niveau, les pauvres physiques. Paul dit, je me suis étudié, donc je me suis appliqué. Alors, si Paul s'applique à le faire, vous et moi, nous sommes plus excellents que lui. Un homme que Dieu a utilisé, qui s'est laissé briser totalement par le Seigneur pour nous apporter l'évangile. Regarde sa préoccupation. Il s'est appliqué. Pour nous appliquer aussi comme ça pour aider ceux qui ont faim, pour aider ceux qui ont soif, pour aider ceux qui sont nus, pour aider ceux qui sont en prison, pour aider ceux qui sont malades, pour aider ceux qui ont besoin de vêtements. Il dit, je me suis étudié à le faire. C'est notre responsabilité. Même si c'est dur, frère, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'être riche pour aider quelqu'un. Non, c'est faux. Si tu, quand tu n'as pas, quand tu as un peu, tu ne vas même pas partager avec quelqu'un. Ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas partager. Ça, c'est faux. Parce que plus tu auras, plus aussi tes problèmes vont augmenter. Tu vas commencer à dire, ah non, frère, si tu as 10 francs aujourd'hui, tu as le problème de 10 francs. Quand tu auras 200 dollars, tu auras le problème de 200 dollars. Quand tu auras 1 million de dollars, tu auras le problème de 1 million de dollars. Donc, si avec 10 francs, là, tu ne parviens pas à retirer 1 dollar dessus pour aider quelqu'un, ce n'est pas avec 100 francs, 200 que tu vas retirer 1 dollar pour aider quelqu'un. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit, nous sommes étudiés à le faire. Je me suis étudié. Est-ce le cas pour vous et moi, bienvenue au Seigneur? Est-ce que nous étudions vraiment à aider les démunis? Parce que l'évangile, on peut parler de toutes les théories, on passe sur toutes les doctrines ici, là. Oh, les doctrines, les gens sont forts. Hein. Si on prend la théorie, c'est oh, on prend la théorie. Non. On dit pas ce tableau-là, le gars va dessiner. Il va même dessiner Jésus avec le ciel, avec les arcs en ciel. Mais là, on va dire, non, maintenant, il faut aller à la pratique. Là, on va comme ça, chacun va comme ça gratter sa tête. On va vous dire, frère, ça fait combien de temps? Depuis quand là tu n'as même pu aider? Tu as regardé les veuves, les orphelins? Depuis quand est-ce que tu as même réussi à dire, ah Seigneur, sur les 10 francs que j'ai, il faut que je retire même 1 franc. Je m'en vais même, j'essaie d'aider ceux qui sont dans les temps disputés. Pourquoi ça ne nous traverse pas l'esprit? Pourquoi? Il y a un problème. Donc il faut que le fondement de l'amour que Christ nous a laissé pour prendre soin les uns les autres soit notre partage. Alléluia. Amen. Et ça, c'est dans la croix. Le reste là, Dieu va nous apporter, nous amener dans l'équilibre. Alléluia. Amen. Donc c'est à l'église de le faire. Aimer les responsables de l'assemblée, s'appliquer eux-mêmes à partager cela. Parce que c'est vrai que le désordre qu'on a aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu, que ceux qui sont devant pour expliquer ça, ils ne font pas. Ils font autre chose. Et ça, c'est plutôt, c'est eux qui sont nourris. C'est ça le problème. Et ceux qui sont assis, ne font pas beaucoup d'efforts pour eux-mêmes lire la parole, pour comprendre. Mais personne n'a venu devant Dieu au jugement, dit, écoute Seigneur, c'est à cause de mon passé que je ne comprenais pas la parole. En aucun cas, tu as la parole de Dieu. Tu as les écritures, tu t'appliques toi-même à te lever le matin, tu l'as lis. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est valable pour toi et moi. Quand tu es à la maison pour lire ta parole, tu n'as pas besoin du pasteur, tu n'as pas besoin des anciens. C'est ta propre marche avec le Seigneur. Donc, c'est ta responsabilité. Donc, si le pasteur échoue, si les responsables échouent, ça ne veut pas dire que toi, tu peux échouer. Alléluia. Donc, si l'assemblée décide qu'ils sont venus fonder, ils s'adressent, vous assemblez. Pour dire non, le Seigneur a dit qu'il faut se couper des deux. Vous vous occupez des veuves, des orphelins, des diminués. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. On ne va pas fuir notre responsabilité parce que d'autres ne le font pas. Comme j'ai dit, c'est vrai que le premier niveau, parce qu'on peut être jeune dans la foi, on ne comprend pas encore certaines choses. Mais d'une façon, on aura l'occasion de grandir. Si on lit la parole de Dieu, si on invite des prières, c'est responsable d'organiser cela. Les apôtres, il y avait des difficultés. Les apôtres, les gens vendaient leurs biens. Ils venaient déposer au pied des apôtres. Bon, voilà ce qu'on a pu avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les apôtres regardaient. Ah, ok. Combien de difficultés ici là? Voilà, on va partager comme si. Il était dans le partage. Alléluia. Comment ça fait-il comme le peuple de Dieu? Vous voyez, l'église, ça fait mal. Les gens qui sont très très riches dans l'église, les gens qui sont très très pauvres, mais ils sont dans la même assemblée. Le passé ne peut rien dire parce que le jour où il touche les riches là, il perd son gombo. Il perd le gombo, c'est l'argent. Hein. C'est nous souvent, c'est comme ça, un langage un peu utilisé. Donc il perd son argent. Parce que c'est que s'il touche
le riche là, c'est fini, on n'a plus d'offrande, on n'a plus de dîme, on n'a plus d'argent. Or, ce n'est pas comme ça que nous avons le droit de marcher. Nous devons apporter l'équilibre, nous devons apporter la vie. Nous devons apporter la vérité. L'amour se fait dans la vérité. Donc voilà pourquoi nous devons mettre tout ce que nous avons pour le bien de l'Église. Alléluia. Pour le bien des frères. Il ne doit pas avoir d'indigène, il ne doit pas avoir ce déséquilibre-là. C'est là où ça commence avec ces brebis. Il n'y a pas ce déséquilibre-là. Et c'est comme ça aussi. Si on n'est pas capable de prendre soin de nous, si c'est les gens dehors qu'on va prendre soin, ce n'est pas possible. Je veux dire que si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin des siens, de celle de sa famille, mais il est pire qu'un infidèle, il a régné la foi. Vous voyez des personnes qui ont été choquées. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Sa famille l'a jeté dehors. On ne veut plus entendre parler de lui. Il vient en assemblée. Personne, aucun frère n'est capable de lui mettre sa chambre pour qu'ils dorment ensemble. Mais ça, c'est quelle fraternité ça? Ça n'a pas de sens. Il se met à dormir dans la rue. Je dis, mais ça, c'est quoi? C'est quelle histoire? C'est des choses qui font très mal. Quand on voit dans l'œuvre de Dieu, quand je vois, c'est des choses qui me choquent terriblement. Il y a une telle méfiance. Vous dites qu'il y en a eu la grâce, que Dieu te bénisse. Mais personne n'est capable de lui donner même un endroit pour se coucher chez vous. Il y a un problème. Vous voyez les enfants? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont cru au Seigneur, on les a chassés de la maison. Ils viennent, ils ne parviennent pas à se scolariser. L'église, chacun fait comme si. Regarde, c'est le problème. Les pasteurs se nourrissent, ils s'engraissent comme il faut. Les frères n'ont pas pu aller à l'école. Après, on va encore essayer le même frère là que non, vous ne faites aucun effort. Il va prendre l'argent où? Quand il vient, il n'a pas pu. C'est à l'église de prendre ses responsabilités pour aider ces personnes, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Et on voit que quand Jacques reproche les Hébreux dans les 12 000 Hébreux qui étaient repartis, qui avancent à l'aide, qui avait ça parmi les chrétiens? Mais quelqu'un a besoin de quelqu'un, s'habille un peu mal, on lui dit que non, on va t'asseoir au fond. Quelqu'un a un habit somptueux, on lui dit non, viens devant. On voit que cette mentalité, il y a beaucoup chez les gens. Les gens voient beaucoup l'apparence. On a tendance à mettre à l'aise ceux qui ont plus de moyens et ne pas les froisser, ne pas les toucher. Ce n'est pas comme ça dans le Seigneur. Si ceux qui ont des moyens doivent se mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Donc il n'y a pas à nourrir, à engraisser les conducteurs. Ça ne se passe pas comme ça. S'il y a quelqu'un qui doit souffrir et qui doit encore plus souffrir pour l'œuvre de Dieu, c'est eux. C'est nous. Ceux qui sont là devant pour donner l'œuvre de Dieu. Ils doivent souffrir comme Paul dit. Nous sommes les balayeurs du monde à cause de vous. Nous devons être des balayeurs. Nous sommes responsables d'être des balayeurs. Qui sont les responsables? Il est tellement grand, il va même faire du sport. Il courait un peu comme ça, c'est comme sa langue va tomber. Ça me rappelle comme ça un serviteur de Dieu. Il voyait un gêné. Lui, il faisait plus bien. On dit, chaque fin du mois, jeûne. On faisait le jeûne d'Esther. Pour les fins du mois. 3 jours. 7. Chaque fin du mois. Lui, parce qu'on a dit chaque fin du mois, jeûne d'Esther. Mais lui, il ne jeûne jamais. Hein. Un jour, il voit. Mais les gens, s'ils jeûnent tout le temps comme ça, ils veulent montrer quoi, ils veulent jeûner. Lui-même aussi, il voulait jeûner. Mais il a oublié qu'il passe tellement son temps à s'engraisser. Il passe tellement son temps à être inerte. Il a voulu jeûner. Un jour après, il est seulement tombé. L'ambulance est venue le chercher. Pour l'amener à l'hôpital. Parce que c'est quelqu'un qui ne se mettait plus à part pour les brebis. Qui n'avait plus ce temps où il se renonçait à lui-même. Il met des charges sur les autres, lui il ne touche pas d'un petit bout de temps. Tous les fins, vous savez, le jeune dessin a fait ça une fois, on ne dit pas qu'elle a répété ça. Mais nous, on faisait tous les fins du monde. Mais le propre responsable n'était pas capable de le faire. Ça, c'est un sens. Comment on peut demander aux autres de faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire? Mais nous-mêmes, quand même, apporter l'argent, on doit avoir double honneur. Nous, on doit avoir double honneur. Apporter quand même, nous, on doit avoir double honneur. Non. Prenons d'abord soin du peuple de Dieu, des brebis. Et ensuite, l'honneur qui nous est dû, le Seigneur va nous le rendre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'inverse. C'est au père d'investir pour les enfants. Et quand les enfants sont matures, ils voient les difficultés du père. C'est les enfants là qui aident le père. Alléluia. Amen. Pas l'inverse. L'inverse, ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. C'est un fantôme, c'est un monstre. Donc, vraiment, que le Seigneur nous garde et qu'il nous permet de marcher vraiment dans cet amour, de manifester cet amour là, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez dire, vous voulez rajouter, sentez-vous libre. Oui, homme de Dieu. Merci. Je suis vraiment émerveillé par le message. C'est un message qui a été vraiment éteint, puisque je viens d'épingler l'émission ou la mission, si vous voulez. Que le Seigneur attend de nous. Et j'ai épinglé 6 missions. Amen. Ma première mission, c'était par rapport à ceux qui ont faim.
et qui ont droit à la nourriture. Amen. Deuxième mission, ce sont ceux qui ont soif. Amen. Ils ont droit à l'eau, en fait. Amen. Ou au breuvage. Amen. La troisième mission, c'est par rapport aux étrangers. Alléluia. La quatrième mission, c'est par rapport à ceux qui sont nés. Amen. Ceux qui n'ont rien à se dire. La cinquième mission, c'est par rapport aux malades. Alléluia. Et la dernière, c'est par rapport aux prisonniers. Alléluia. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand l'intervenant était en train d'y aller à 2 degrés. Du prix de vie physique, ça c'est une mission à ne pas rejeter. Amen. Mais quand cela me tient, du prix de vie spirituel aussi. Amen. Et quand j'étais en train d'essayer de peser en fait ces missions, en tout cas, dans tous les décrets, il y avait toujours de la pertinence. Amen. Que ce soit ceux qui ont faim, du prix de vie physique, en tout cas, il y en a. Amen. Ceux qui ont faim de la parole, ceux qui ont soif de la parole, alléluia, doivent être visités. Alléluia. Ceux qui sont des étrangers, du prix de vie physique, alléluia, doivent être assistés. Amen. Parce amen. Que la plupart des fois, les étrangers sont méprisés. Amen. Et il y en a aussi des étrangers par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu aussi. Alléluia. Donc tous ces gens-là doivent être visités et recueillis. Amen. Ceux qui sont nus, ceux qui ne sont pas vêtus. Ici je pense à l'Apocalypse. Ouais. Où il a été dit, nous sommes vêtus d'une robe blanche, amen, de la justice de Dieu. Amen. Donc voilà un peu, je me dis, la mission pour laquelle Dieu me laisse sur terre. Amen. Et cette mission ici est très capitale puisque c'est cette mission ici qui va en fait matérialiser ou concrétiser votre amour vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Puisque les gens ont posé la question de savoir quand est-ce. À la fin, Jésus dit, non, toute le fois que vous étiez en train de faire cela à ceux qui étaient à vos côtés, amen, c'est à moi. Alléluia. Quelque part dans la parole, il est écrit, comment est-ce que vous pouvez penser que vous aimez Dieu alors que vous haïssez celui qui est à vos côtés. Donc le fait pour moi de m'intéresser à celui qui est à mes côtés, amen, cela est une preuve, amen, tangible que j'aime vraiment le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est qu'à m'assistant celui qui est à mes côtés, amen, que je serai en train même d'assister Dieu lui-même. Amen, alléluia. C'est ça et peu. C'est fort. Puisque deux fois, les gens disent, bon, voilà, nous aimons le Seigneur, on aime le Seigneur. Ainsi de suite, on raconte beaucoup de choses. Ouais. Mais dans l'entretemps, on n'est pas en train d'accomplir cette ouais, mission. Ouais. Ouais. Donc, je m'imagine qu'on risque d'être dans l'erreur. Mais alors, à chaque fois que vous serez en train d'accomplir cette mission, j'ai beaucoup aimé l'appellation. L'appellation de ces missionnaires. Au niveau du verset 34 et au verset 37. Au niveau du verset 34, il a été dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Ce sont ces missionnaires ici. Venez, vous qui êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Ce sont les bénis de Dieu. Alléluia. Qui ont la mission de bénir aussi. Alléluia. Ça, c'était la première appellation. Et la seconde, qui est au niveau du verset 37, il est écrit, alors les justes lui répondront. Alléluia.
à la fois ils sont bénis et ils sont justes. Alléluia. Même si des fois les gens sont devant la grâce selon lesquelles il n'y a pas de juste, quelqu'un ne peut pas se prévaloir d'être juste, mais voilà quand même, il y a des justes qui ont une mission aux nécessités. Amen. Donc puisse le Seigneur vraiment nous aider à mettre cette parole ici à part. Puisque c'est ça ce qui est maintenant intéressant. Amen. Et important. L'application. Amen. Comme Père, on a fait allusion à Paul, lui qui disait que je me suis appliqué. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de l'Éternel, alléluia. Paul a dit, j'ai pris tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Santé vous livre, bien aimé. Oui, papa, il y a tellement de mains, il y a tellement d'éducation. Oui, homme de Dieu, vas-y, parle. J'avais une préoccupation. J'avais déjà suivi notre enseignement, le prédicateur de Dieu a justifié sa position en prenant les textes qui parlaient de vierge qui attendait le coup. Il y en avait celle qui était folle, celle qui était sage, celle qui était folle qui ont préparé évidemment une petite quantité, celle qui était sage qui ont préparé conséquemment. À un moment donné, lorsque l'époux a arrivé, la quantité de vierges